Bon après-midi, tout bon internaute qui peut suivre nous, les réseaux sociaux. Merci et bienvenue sur le plateau de DRF Web TV pour ce mardi 30 janvier 2024 pour une nouvelle émission de Nous sommes humains comme vous. Et comme on connaît, c'est une émission qui a démarré l'année dernière en collaboration avec Global Rainbow Foundation Trust Fund. C'est justement pour promouvoir les voix et les droits des personnes en situation de handicap. Et comme on connaît, la DRF lit vraiment mettre à la disposition publique et surtout les personnes qui sont en situation de handicap, ben service, ben facilité pour être capable et d'autres pour progresser dans la vie de tous les jours, pour être capable mieux intégrer la société, pour être en plus de bonnes facilités dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, dans ce sillage, le vraiment DRF Web TV, Lila, comme un porte-parole, comment nous dire, the voice of the voiceless. Et pour le thème d'aujourd'hui, la première, nous capable dire, de l'année 2024, on peut proposer un thème qui, en ce qui concerne tout simplement, quand la passion frappe à la porte de l'inclusion. C'est un petit peu ça le thème de l'émission aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être un petit peu qui manière quand un dimanche a passion et malgré son handicap qui est une barrière sur la vie de tous les jours. Parce que handicap, comme on nous dit, c'est la situation qui rend handicapante. Mais malgré ça, sa personne-là, il transcende ça. Malgré ça, il vraiment réussit, traverse tout ça dans une étape-là. Et il fait que sa passion pousse pour qu'il vraiment soit capable et n'a sa place dans la société. Quand nous cause l'inclusion, nous cause une place, la chance égale, nous cause get tout le monde avec même les yeux, qui donne tout le monde même opportunité et tout le monde assise autour, même la table, avec même droit, avec même opportunité dans toute la vie de tous les jours. Et pour nous discuter de cette émission-là, je suis bien content aujourd'hui, je suis même très ému, parce que je suis là, plateau-là, on peut dire s'abonner avec Prédvi qui a la technique, Prédvi Bissessor, des bien jolis garçons qui le sa plateau là, qui tous les deux bien sûr sont en situation de handicap, mais aujourd'hui se pour partager avec nous, zot la vie, zot histoire, zot parcours, mais zot passion, mais aussi zot rêve. Alors, ce qui s'en a qu'il est au plateau, à ma droite, il y a Olivier Michael Desroches. Plaisance Rosile, la route de la batteur, numéro 22. À Satan. Donc, comment vous découvrez Ali, Olivier, il n'y a pas avoir de parole, il nous besoin d'y aller un artiste, il joue la musique, Ravane, il sentait, il dansait aussi. Tu... aussi, même un pédiatre à Zvinboudaï. Et aussi. Avec Radstol. Bien sûr. Et aussi, il est membre de l'association pour la protection des droits des handicapés, que moi aussi, bien sûr, m'ont engagé avec Rad Sudehol, Amigapol, Abishek Ramessa, une série de mes camarades là-bas. Et à ma gauche, il y a notre camarade Richard Boudon, un jeune. Bonjour. Bonjour. Richard, bien content de le plateau. Alors, Richard, il est un jeune lui aussi, bien sûr, il est en situation de handicap, il a un handicap physique. Et Richard, il est un étudiant ici dans l'atelier de formation à Global Rainbow Foundation. Il déjà passe sa plateau là. Et pas qu'il est comme ça, il y a un garçon qui n'est pas timide, qui est en causé, badiné, joli garçon, dresse la barbe, dresse CV. T'as l'air là, avant de rentrer dans le studio, mon trou libre et dresse CV. Alors, il vraiment respire la belle vie. Et Olivier, mon oublié mentionné, ouais. Olivier, il y a un handicap épileptique, nous avons l'occasion de cause avec lui. So oui, merci à ce que vous avez petit Raphaël, à mes amis, vous avez merci. 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 Merci, Olivier. Olivier May, et je vous dis à Franck, nous sommes l'association APDH, nous fait un petit rétrospectif, Lola, depuis 2019. Depuis une jeune, ça m'a quitté l'association et il est capable d'être 100% passionné. Pareil comme Richard, rempli d'énergie, envie de faire quelque chose, envie vraiment montrer ce talent. Et Olivier May, il est là, il est tout le temps là. Même s'il est fois, il téléphone moi 15 à 20 fois par jour. Mais nous sommes nous contents, Olivier May, dans l'association. Pareil comme nous contents, Richard aussi, dans DRF. Allô, messieurs, et mon point vite, ben, internaute, si vous pouvez suivre ça, l'émission là, pour chier sa vidéo là, pour nous toucher un maximum de personnes. Parce que nous tous, nous connaissons Maurice, nous avons beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap. Le handicap, il est venu, ou capable de naître avec lui naturellement, mais au cas gagne lui aussi en cours de route dans la vie, à travers un accident médical, à travers un accident de route, ou bien les autres circonstances malheureuses, ou capable de gagner un handicap. Donc, nous sommes très sensibles en ce qui concerne le handicap. Et je vous dis, à travers le monde, beaucoup à faire, beaucoup de choses peuvent faire pour capable promouvoir les droits. Parce que tout le monde avec un handicap,
li mérite ki ou respect li mérite la dignité. Et d'ailleurs, nous type depuis longtemps tu ben l'association même DIOF et in produit un papier un draft disability bill. Même nous au niveau de l'association en PDH, nous une cause beaucoup là et bien sûr, pena and promotion and protection of the rights of persons with disabilities qui peut venir, bien sûr, à Maurice et nous espérer qu'il sera qui vraiment capable vraiment un reflet de la convention pour les droits des personnes en situation de handicap des Nations Unies pour capable faire pour qu'il y ait plus de droits et d'accessibilité et la chance égale pour les personnes qui peuvent vivre avec un handicap. Allô, monsieur, nous pour démarrer l'émission. D'abord, merci pour votre présence. Le plateau, on prend un petit peu le temps pour introduire le sujet. Merci oui. Pour sa chose. Moi, je suis souri, mais tu n'as juste qu'un. Mais là, moi, je suis merci que ma dire, chose en retard. Juste qu'un, tu n'as pas. Tout à fait. Tout à fait, Olivier Desroches, il a raison. Nous sommes supposés faire émission semaine dernière. Alors, je vous rappelle, tu n'as cyclone Candice. Ouais. Gros l'appli, nous pas réussi, nous pas prendre le risque. Et à la Saoudi, nous peut faire nous l'émission. Ouais. Donc, Richard Boudan, je propose toi, permettez-moi, moi, tutoie les autres. Pose-toi la question. Et tu as un handicap physique, ok? Tu as un handicap physique. Ben, dis-moi une affaire, Richard. Et qui ça fait toi pour le plateau là aujourd'hui? Bon, moi, pour être c'est moi. J'aime un émission avec. Oui. Mon bâton, il n'y a pas de aller mon bouffier. Et ça fait mon plaisir. Bon, ben, Internet pour rappeler, mon déjà présent l'émission. Oui. Mon déjà invité est prévu. Pour ma femme, invité avec vous. Oui. Ça va m'en plaisir. Eh, hey, merci beaucoup. Merci Richard. Richard Bendier, comme vous avez bien entendu, l'une des a passé le plateau avec Prix de Vie. Moi, tu suis l'émission. Bien jolie émission. Tu peux passer la première fois avec moi et ça fait un plaisir. Et moi, si ça fait moi bien plaisir. Et moi, besoin des autres qui, comme on, chaque fois que je viens dire, c'est la cinquième émission que je peux faire ici. Mon déjà vient là comme invité. À chaque fois que je viens ici, je sens une émotion extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, il y a beaucoup de compréhension. Il y a une famille d'IOF et même tout le staff qui est là, près de vie, je connais beaucoup de gens ici. Il y a Keshini dans le passé, Rama, Aïcha, Ridwan, c'est une équipe. Et bien sûr, l'homme, l'indispensable, professeur Mokompo. Donc, Olivier May, et explique-nous un petit peu l'auto-handicap. Quel type de handicap tu as? Je suis flexible, parfois, je suis cassé, acheter un diabète, donc je finis de dire ça, mais pas connaître pareil mon résultat. Il y a là, moi, je suis si malade, il y a une solution, il y a plus tard, pas connaître. Il y a un vieux, il y a un diabète là, il y a là, mon sentiment à l'aise, comme il y a un malade là, l'évêque est flexible là, moi, j'aime la musique, moi, écoutez, moi, je serai moi parce que la musique, c'est un universel. Ah, il a pour ça. La musique. Ah, il a, je t'aime bien dire, un universel. Comment dire? La musique, il y a une langue universelle, tout du monde. Oui, oui bien sûr. Après, moi, pas moi, à l'école, moi, je suis intérêt. Après, moi, à l'école bassin. L'école. Après, moi, arrêté à moi, faire théâtre. Mon professeur appelle ça, monsieur Tony Katapiamal. Et moi, pour essayer la musique, moi, je me fais un coup à Samuel David à Pouitam. Tu as un camarade dans PDH. PDH, oui. Ok. Putain, Dev, après, je fais un petit coucou. Si maman peut être mal au téléphone, mon tonton appelle. Micheline, c'est Micheline, ça. Maman, Christophe, mon cousin, Roy, mon cousin, les siens enfants qu'ils ont mis. Mais tu as vu, moi, j'ai rêvé de me mettre sur mon dernier parce que mon papa m'a dit que je suis un diabète. Aïe là. On a 30 ans, on est oui. Revenu des paysans. Donc l'appel est lancé, bien sûr, monsieur qui dit, Raffine, prend bonne note de ce qui te dit Olivier May. Donc Olivier May, explique-nous un petit peu ce parcours, l'éducation, un petit peu ce handicap. Donc Richard Boudan, toi, tu es capable, explique-nous un petit peu comment ça a passé, un petit peu tout l'enfance, quand on grandit, ce qui te rappelle un petit peu comment ça a passé. Bonjour, si tu me donnes. Quand on prend naissance,
Oui. D'accord, non, précisément dans mon écho. Ok, ok. Mon oxygène, bon, 5-10 minutes. Mon enfant, docteur, si c'est mon parent, oui. Pas cassé mon normal. Avant de 300 mots. Mon parent, peut-être qu'il fait mon papa marcher à Barcelona. Mon oui. Papa découvert mon handicap. Oui. Pendant que moi, bon, moi, prends l'occasion pour remettre mon parent pendant que je suis normal. Comment deux enfants viennent à l'école. L'école est suffisante pour gagner pour moi. Et mon père rappelle comment je rentre en face. Oui. Dans l'école, c'est réfléchissement. Maintenant, réfléchis-toi. Réfléchis-toi. Oui. Et. Mon papa qui est dans l'école privée. Oui. Et mon père fait en cinquième oui. Là-bas. Aller à l'école handicap ou bien trionner. Oui. Et c'est ça. Et mon là-bas, mon frère. 5 ans après, m'apprendre beaucoup d'affaires. Et après ça, mon jeune CAF en 2019. 2019, tu joins Global Rainbow Foundation. Bien bon? Oui, mon jeune Miss Kitty, c'est bon. Miss Kitty, oui. Banan. Montre-moi la gueule, mon bagage créé. Oui. Pendant donne-moi un cours de ID. Ok. Microsoft Excel, Word. Oui, bah, waouh, le computer, bien bon. Allez, finissez moi. Je suis content de faire Max. Je prends un gros match. Après, je fais clair récemment. Oui. Mon directeur, mon parent est dans un business. Mon directeur, mon parent là-dedans. Et ouvre un petit business et libéré. Normal. Oui. Voilà, voilà. Bien intéressant, Richard, et quand nous écoute un petit peu ton parcours et ton expliquer qui manière qui t'en gagne handicap, qui court donc, qui m'a aidé à l'écoute, etc. Et ce qui m'a retenu, surtout dans ce qui Richard, il dit Olivier, mon père, c'est que tu sais que ben internet, tu dis que tes parents, ils traitent toi normal, ils font toi amener la vie normale et te reconnaissant, te remercier tes parents. Donc, l'extraordinaire, et même si l'école, à un moment donné, ne réfléchissait pas à te décourager, et 2019, tu as besoin de la JOF, tu as besoin l'encadrement, c'est un joli parcours qui Richard Benfer. Donc, avant de me donner la parole, Olivier, il y a un internaute, Sylviane Brunchot, qui souvent me trouvait, lui suivre l'émission, lui dire bonjour à Swin, et les inviter, bonne chance à vous. Donc, merci beaucoup, Sylviane, merci pour vos fidélités, et merci aussi pour vos bonnes paroles, les bonnes paroles d'encouragement, et merci de ce qui vous fait suivre l'émission. Et bien sûr, moi, et les autres internautes invités pour les poser une question, ou ça, j'ai envie, passer un commentaire, ou j'ai une question qui par rapport à l'handicap, ou même DRF, ou besoin n'importe quelle information, ou capable de laisser un commentaire, prix de vie pour faire nous connaître. Donc, Olivier, quand tu écoutes Richard, un petit peu ce parcours, explique-nous un petit peu ton parcours, l'école, comment ça s'est passé. Ça veut dire, l'école, me posait un appel sur un monsieur. L'école Bassin appelle monsieur. Monsieur, comment il est là? Il appelle monsieur.
monsieur Gokul. Oui. Il y a là, bon, apprendre au lit. Il y a mon l'école au lit. Après, mon diamant, mon vegan l'école spécialisée. Il y a là, mon l'école, mon chef mentorel. Il y a mon fier là-bas. Qui côté mon, ça? Qui côté? Précoute-toi ça. Stanley, ok. Colibrine. Ok. Moi, tu as vu, moi, j'ai plutôt un chanchon à Pédiasal, visiter un coup là. Ok. Capable de faire. Oui. Il y a là. Je suis avec moi un changement pour. Je dis merci pour une vie pour voir café de matin là. Je dis merci. Wow. Merci. Effectivement, moi aussi, je tiens à remercier le prix de vie qui nous fait un bien bon café, bien doux, tu es là pour nous. Là, Olivier, il dit qu'il n'est pas beau trop beaucoup d'ici. Donc, Olivier, nous n'est ni moins d'ici. Donc, Olivier aussi, bien content, comme écoute ton parcours, ta famille encadre toi, tu es dans l'école Colibri et tu es fier, nous capable de dire. L'école APMC, mon fier. L'école APMC, tu es fier. Avec Fondation Zosa. Un petit parcours là-bas, un petit parcours, c'est y est. Et bien intéressant, Olivier. Donc, Richard, raconte-moi un petit peu est-ce que comment dire dit mon quand guette toi comment dire dit mon faire ben commenter et il arrivé qui dit mon une offense toi une blesse toi comment te sens-tu toi qui arrive toi ça bon ah ma mon dieu prendre dans le cœur oui mais moi marcher le chemin oui à rien de bon c'est un dieu mon dieu Super. Donc, très une grosse inspiration, nous bien dire, Richard, ben internet qui ou peut écouter, nous écoute Olivier, là, on a envie de faire un point, l'eau ça bout, qui est très important, là, un bout de. Nous faisons un point, nous posons Olivier la question. Okay. Olivier, est-ce qu'il est déjà arrivé, tu as un handicap, ouais, pas tout le temps, il est visible, possible, mais est-ce qu'il est arrivé, dis une cause, brite toi, il y a un mot qui te blesse toi, qui nous fonce toi, tu as pleuré, qui est affecté toi? Ça veut dire, moi, déjà. Moi, je dis que je fais mon désir en colère, et là, je suis pas malade. Je suis pas malade. Je suis 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 malade. Qui fait moi dire mon envie fait un point, c'est que l'émission Nous sommes humains comme vous, comment on peut trouver le titre de l'émission, un dimoun qui peut vivre avec un handicap, peu importe qui est handicap, il y a un handicap physique, il y a un handicap qui est sensoriel, et il y a un handicap qui est même invisible, ça dimoun là, il y a un humain vous autres, du tout, dimoun là, il est humain, il respire pareil, il y a une léguerre qui fait mal, qui est offensé, qui est blessé. Si on peut dire une petite chose qui n'est pas bizarre. Donc, justement, l'émission nous servit pour nous sensibiliser, pour nous faire comprendre. Mais nous devons dire qu'ils ont dit, il y a beaucoup de progrès à travers le monde, il y a beaucoup de respect qui peut donner
à une personne qui est en situation de handicap. Et si nous tous nous donnons un coup de main ensemble et nous sait comprendre les gens qui ont un handicap, il ne faut pas nous guetter un léger, comme dire un peu drôle, il ne faut pas nous faire un commentaire. Il est très important, les amis, qui nous respectent. Donc, un humble request à tout le monde et pour qu'ils nous capables ensemble nous faire. Oui, Olivier? Asvin, me fait un mandien, un pauvrement, me fait un mandien, monsieur, pas ramène, mais tu as vu que le mandien est rétabli. Tu as vu un jour, pas connu ce livre, tout le monde, vous faites la musique, monsieur, pas ramène, mais tu as vu un jour. Tu as vu un jour. Moi aussi, nous pouvons gagner l'occasion, jeune professeur, pas ramène, pour le moment, il est disponible. Mmh. Il n'est pas venu aujourd'hui, mais définitivement, moi aussi, je vais après. Et là, on a des commentaires qui répètent sur les réseaux sociaux. Merci, Pridvi, qui n'a vraiment ça. Et on a Samuel David Pépiniris. Il dit merci beaucoup pour cette belle émission. Donc, il va apprécier sa émission qui est là. Samuel, qui est ton camarade. Mon camarade. Peut-être un mot pour dire à Samuel. Samuel, mon cas, je t'ai dit. Samuel, comme tu fais la lanceuse. Monsieur, ce comique là. Vous êtes en moi j'en lui. Après, plus tard, moi, quand nous avons une émission, C'était bon. Qu'il faut un jour, nous pouvons trouver Samuel, le plateau, bien sûr. Pour faire de la musique, peut-être. Et il y a aussi Dia Pelten qui dit salut. Donc, Dia Pelten qui fait. Salut! Salut à Dia Pelten. Et Richard, dis-toi un grand salut. Donc voilà, et Olivier avec Richard et bien sûr les internautes qui peuvent suivre nous. L'émission, très émue, hein? Bien jolie émission, très passionnante et je peux causer que je te l'écoute. Et moi vraiment senti ça l'aspect humain là, peut dégager ça l'aspect l'humanisme, l'amour. Asvin, moi j'ai tenu à faire. DRF, quand t'as une famille ici pour moi, mais à la moussette qui a la musique pour l'unité. Oui. Effectivement, au niveau, moi j'ai un internaute qui au niveau de l'association APDH, nous faisons plateforme Unique Talents, quand nous mettons en lumière les talents des personnes en situation de handicap. Olivier finit déjà candidat, il est en pôte bien sûr, un prix aussi, il finit en pôte ce certificat. Et d'ailleurs, il est recommandé par la Convention des Nations Unies pour promouvoir les droits. Mon acteur préféré, c'est Thomas Payne. Ton pain, un artiste. Nous pouvons nous là. Nous pouvons causer la musique, nous pouvons causer la passion. Donc, dis-moi une affaire, Richard, de ton côté. Et ton dialy bonheur, la famille, là, qui c'est nana dans la famille, maman, papa? Maman, papa, et moi, trois. Ah, donc, bien, t'es bien gâté à la maison, alors. Ok, bien bon. Et dis-moi une affaire au niveau d'IOF, tu dis-moi, tu es venu en 2019. Et qui te fait exactement ici? Bon, comment je suis, oui. Un coup, un an, Microsoft et Communication Skills. Ok. Allez, mon décompteur fait mathématiques. Oui. Mon request banner. Ok. Vous faites un coup pour moi, maths. Ok. Mon frère. Oui, mon apprendre un peu drama, un peu panier. Panier, oui, bien bon. Oui. Oui. Là, actuellement, mon monsieur est un coup d'entrepreneurship. Oui, ok. Mais, donc, tu fais beaucoup de choses, alors, il est bien intéressant. Tu as bien l'occasion à prendre. Qui est un camarade qui est ensemble avec toi dans l'atelier? Bon, il y a Raoul. Raoul. Anas. Oui. Il y a encore. Bon. Ok. Ouais. Beaucoup camarades, alors. Beaucoup. Toi aussi, tu fais théâtre? Oui. Toi aussi, tu fais théâtre. Bien bon. Non. Olivier, dis-moi, ouais. Oui. Seize, moi, j'ai les félicitations, tu fais théâtre, Seize, là. Volumane. Ouais, Aïla. Ça, moi, j'ai les félicitations avec Raoul, avec Seize.
Avec Dia. Avec Dia. Avec Dia aussi. Parce que Dia peut tellement l'éternel. Bon, il y a encore beaucoup de commentaires. Il y a Dia Pelton qui dit « Well done, boys. Keep it up. » Thank you. Il dit « Jésus, bravo, bravo. » Donc, Dia peut suivre ça avec beaucoup de passion. Il y a Samuel Pépinieris qui nous recommande. Il dit « Top, Olivier. » Donc, merci pour le commentaire que tu nous fais. Il y a Rosina Boutman Babadi. Bonjour Ashwin, Olivier et Richard. Très belle émission. Merci beaucoup. Donc, merci à vous, Rosina. Nous allons dire merci. Merci. Merci, Rosina. Merci, Rosina. Ah, bon, Rosina. Un petit coucou à Rosie Silva Talmont, à PDH. Silva. Silva. Ok, ok. Bien bon, bien bon, bien bon. Olivier, donc, vous avez trouvé beaucoup de monde peut suivre l'émission. Ah, ben, moi, l'émission. Ashwin, moi, suis l'émission. J'ai le mot. On a le mot pour toi. Ah, ben, moi, c'est toi, Rising Motion. Rising Motion. Bon, vous avez dit des affaires, le Olivier. Olivier, comme on dit, c'est un garçon très passionné par la musique, par beaucoup de choses, nous pouvons un petit peu la musique là. Olivier, et depuis bien longtemps, il a vécu le plateau d'IRF. Depuis plusieurs fois, mon passé ici, l'India, moi, il a vécu là, il a vécu là, il a vécu là. Richard, il a eu l'occasion de passer ici. Mais la première fois, Olivier, il passe le plateau. Merci, et... pour te. Seulement, nous besoin pour, comment dire, faire la musique avec fait l'indépendance, nous avons besoin. Définitivement. Plateau, merci à toi de nous faire le déplacement. Merci à DIOF et merci bien sûr à Prix de Vie. Prix de Vie. Qui, merci pour ce café-là. Qui de nous coup de main pour monter l'émission. Mais surtout, il encourage nous pour nous faire ça l'émission-là avec Richard, avec Olivier Desroches. Alors là, nous nous causons un peu l'école, nous nous causons un peu handicap, nous nous causons un peu stigmatisation, regard du monde, la famille, tout ça là. Là, nous prenons un petit peu. La passion, la passion, la passion. Olivier, mais ta passion, c'est la musique, la santé. Depuis qu'il a cette santé, comment tu apprends ça? Ça veut dire que je n'apprends santé par mon clan Antoine. Après, je n'apprends santé par mon cousin, c'est Dectopiz. Ok. Après, mon passion la musique, c'est Kaya. Tu comptes à Kaya? Kaya avec Dakayo, OSB, Authentic Groove, Dakayo. Authentic Groove avec Sky Tupi. Sky Tupi, familièrement avec Big Funky. Mmh. Avec chose, hein? Maman, tu wow. M'as dû m'élinja, dès que le balé n'a tunga. Santé, santé. Tu m'as dû m'élinja, mais tu m'as dû n'a tunga. Te diamant, te pleurer, tu te défaces, tu fâches. Quand ma tête a mon fin levé, dans pour temps, tu la prière. Tu m'as dû m'élinja. Mais ça peut danser tout vous êtes. Wow. Mandou Melijan, configure n'importe où vous voulez, configure tout d'un qui te pleure, configure des minutes, il dit à ma tante souffert, tout fiat au molécule, aïe la sa santé, la moitié avec mon diable, puis ton mot fiali en créole, aïe la pousse. Ben bravo, bravo, bravo. Donc, c'est ça, santé oui. Man Mary Jane et santé Bollywood qui, Olivier Desroches, les finales adaptées dans ce style, les santé un petit peu en créole. Okay. Donc, dis-moi des affaires, Olivier, des petits petits, tu expliques-moi, ben, dis-moi qui n'inspire toi, qui apprend la musique. Mais comment tu fais? Tu apprends par toi-même, tu fais ta pratique. Qui va un instrument te jouer? Ravan? Ravan Djambé. Ravan Djambé, ok. Avec Harmonica. Avec Harmonica. Et comment tu sentais la case? Comment tu fais? Ça coûte toi le santé? Ça veut dire. Moi, je suis ensemble, mais tous les jours, je fais mon répétition dans mon ensemble, mais dans mon tiravan. Ok. Et là, je sentais, sentais dans l'école 6 pour D. Ok. Et là, je sentais, et là, justement, à ce oui. Quand j'ai donné toujours à PDS avec Timothée, avec Chose, justement, enfin, du coup, grand monsieur Clément Djiout, si pétalement. Clément Djiout, oui, oui. Mais il y a là, mon. Tout à PDS, il y a là que mon, la famille à PDS, je devrais être une famille, moi, toujours. Bien sûr. Allez. Oui, c'est Clément Djiout qui est aussi un travailleur social qui est dans l'association à PDS, qui t'amène Olivier Desroches dans l'association à PDS. Et avant mon passe-toi, la parole, Richard, et na Vedani Sukan. Vedani Sukan qui est ton camarade, qui est déjà passé sur ce plateau-là, un petit fille extraordinaire, très brave. Très solide, très, très rempli d'énergie. Lisez-nous bonjour. Bonjour, Vedani. Bonjour. Bien content pour ton message. Vedani, je me fais un petit coucou. Ah. Parce que moi, tu as vu un coup de panier avec coup écrit, avec coup de choses.
Brodé. Brodé. Aïla, fait du coup. Aïla, il peut revenir prendre. Mais l'année, il peut t'en moins. Védani. Védani. Depuis Védani, et si tu peux continuer à suivre l'émission depuis Bonéa, Olivier, tu peux retourner. Et tu suives toute l'émission, il est bien content de l'intervention. Mais je suis seulement suivi ce technicien-là. Les six soeurs, mes chemins, je vais en fin de cœur, près de vie. Mais oui. Écoute, Dieu, en fin de cœur, avec ta soeur. La santé. Mais j'ai plus de vie, mon écoute. Ou pas tout seul. Ah, pas tout seul, ouais. Pas découragé aussi. Pas découragé aussi, mon écoute, ça, mes chemins. Donc, voilà. Toujours dit, ref. Toujours dit, ref. Donc, voilà. Discussion bien intéressante, les amis, ben, camarades. Alors, Richard, et quand on écoute un petit peu, Olivier, ce passion, c'est la musique. Toi qui te passionne, qui te compte en faire, qui football, sport, la musique, danser, qui te compte en faire? Mon cousin global, c'est tout comme un grand amateur de football. Wow. Mon favori team, c'est Manchester United. Manchester United. Malgré, je suis pas trop en forme pour le moment. Die Hard Manchester United. Tu es un Red Devil, comme dire. Bon, c'est pas comme un manu, moi, un même site Ultra Foot. Ah, Ultra Foot, tu baba. Qui c'est notre joueur préféré? Bon, mon joueur préféré, c'est David Chelsea. Oui. C'est ma. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mais pour le moment, mon favori, c'est Marcus Rashford. Attaquant, oui. Ronaldo, il met beaucoup de goals dans Manchester United. Il est à Real Madrid, après il tire tout de Manchester United. Il est à Juventus, après il tire tout de Manchester United. Mon bien équipe d'Inter, mon reste trop. Mon bagage de garçon que tu fais. Mais récemment, là, j'ai venu, j'ai mis cet angle dans Manu, si je ne me suis pas trompé. Et tu as beaucoup d'informations, donc tu as bien suivi les informations, tu as lié les journaux, tout ça, là, m'a trouvé. Mais Asmin, moi j'ai tellement fait mon équipe préférée, c'est Chelsea. Je connais Chelsea, pas connais pas le cas major Liverpool, mais pas connais si là les là pour serrer. Mais tu reviens. Toi, tu Chelsea, moi Arsenal. Moi pas connais Prévis sur l'équipe, moi Arsenal, moi pas connais Raoul aussi sur l'équipe. Et donc nous aujourd'hui nous n'en plate Arsenal, Manchester. Chelsea. Vous avez préféré ça? Pas à moi, prix de vie Liverpool, pas connu. Non, Manu. Oh, prix de vie aussi, Manu. Oh, prix de vie aussi, Manu. Un sang, c'est un Liverpool. Un sang. Alors, justement. Vous rappelez dans le passé, Rama. Il y a sa partie des affaires, une émission, le sport, le football, si je ne pas trompé. Ouais, c'est très intéressant, moi, tu suis. Justement, oui, Olivier. Asfine, moi, tu as envie comment dire? Oui. La musique là, moi tu as vu, puis progresser, mais moi tu as vu que mon Dieu, Dioref est de mon côté la musique, mon Dieu. Ah, la mouka chen son escapiteur, pas connu. Moi tu as vu Dioref, mon Dieu, chose. Appelera la musique, chose à moi, peut-être. C'était tu peux dire, le jour là, mon Dieu. Une musique band, tout le monde. Musique band, ouais. Ah, la mouka chen Constance, gagne Samuel David, gagne Cynthia Petit, gagne ton Yvon Adèle. Fin de coucou, si pas les pétales, moi là. Tout à fait. Yvon Adèle, c'est un camarade qui a un visual impairment et il est un musicien aussi. C'est peut-être un peu travail en ce moment. Il y a aussi un visual impairment. DRF nous rappelle, le professeur Pozoramen, qui nous a dit un petit peu mentor de Jane Constance, qui nous fait la fierté des musiciens qui ont gagné The Voice. Et là, si je ne me suis pas trompé, il est à l'extérieur, il peut apprendre les études en droit, il peut venir un avocat, un juriste ou avocat peut-être. Et nous faisons un coucou, Jane Constance, moi je ne sais pas aussi. S'il est étonné, moi je fais un coucou. S'il est étonné, nous, et il y a l'exemple, il y a un modèle, et nous trouvons qui l'exemple qui Jane Constance a donné avec... Oui. Attends-moi, il y a une santé là. Quand il y a coulé la religion, comme il y a l'esprit, dans l'unité nous mensons,
dans l'harmonie, dans la paix. Pour mon gain, c'est solution. Pour mon gain, c'est solution. Côté t'es non, les sommes. Côté t'es y aller. Côté t'es, chicoté, non, les d'aller. Vérim, comment m'en fous, joli mange, les temps où passer. Le balance des côtés. À moi, les qui y aller. Dans les canons, bon, qui est signant. Je me convainc, je me fais galoper sans la descente. Vive l'amour, l'amour que ta vie m'en fout, c'est amour. Mon talent, qui t'est passé par là-bas, et j'ai condamné, des supports là. Mon talent, qui t'est passé par là-bas, et j'ai été liberté, pour te marcher, qui t'est amassé. Ça pour Aïla, vingt jours, coucou. Bonne fête, le monde, Aïla. Aïla, et waouh, get la pensée de Olivier, nous connaît qui s'est dit, nous peut commémorer 1er février, abolition d'esclavage. Donc, les personnes de sa santé là, en bas de ça. Bravo à toi, Olivier. Donc, je pourrais remarquer, chers internautes, il y a beaucoup de commentaires qui peuvent rentrer, moi, pour Ville-Lola, un petit moment, je pourrais remarquer que ça dégorçon là, c'est dégorçon très intelligent, très brillant. Je peux trouver Olivier, get Kotlin prend. Puisqu'il dynamique. Cette dynamique, cette passionnée, et je peux trouver qu'Olivier, comment l'imaginer, et l'abolition de l'esclavage, l'in prend santé, les mots l'in pose. Après, tu as laissé me sentir une chose, le délicat commence, parle les mots là-bas. Tu as laissé te sentir, réponds. Est-ce que moi, 4 minutes, pour me délire. Oui, respire un petit guide, nous pour laisser Richard psy. Et je peux trouver, sorry, je peux trouver, comment Richard. Il suit le football, il est journaliste. Il a le fouillé, il connaît l'information. Ronaldo, il met en goal. Rashford, il met en goal. Vous êtes vraiment impressionnants, les enfants. Vous êtes vraiment. Permettez-moi de dire, les enfants. Et na Rosina Botman Bavadi, Lidjeta, bravo Olivier, qui te fait santé. Nous avons aussi Sawarat Nitu, qui peut dire top. Les petits troupes, les petits troupes, l'émission, top, merci. Et on a notre ami Jim Saoudès, hein, Jim Saoudès, qui te fait Olivier, t'allais pour gagner l'occasion, Zwenli. Un pilier de DIOF, un monsieur très doux, très gentil, qui fait un travail formidable ici, je suis d'accord avec moi, qui moi personnellement, moi apprécie lui. Moi trouve lui même, il y a un pilier dans le travail social, il dit great. Il trouve émission great. Et là, moi trouve, il y a un commenté encore qui est rentré, qui est dans les réseaux sociaux. Donc, mon poulet qui est là, nous pouvons laisser Richard répondre un petit peu. Et na Damien Arekion. Bien nice, ou l'émission. Big up. Ah, merci Damien Arekion. Ça fait nous chaud au cœur qui vous peut encourager nous et que ça va être jeune qui est au plateau là et vous peut apprécier l'émission. Donc, Richard Boudin, moi très impressionné, pareil, comment moi impressionné à Olivier. Ben, internet très impressionné à toi, ta capacité réfléchie, pose bonne question, analyser et tout ça, bonnes affaires là. Tiens-moi une affaire. Et qui est quelque chose qui t'a, m'a dit, en dit au football, qui est quelque chose qui t'a content de faire des films, t'a content de promener, qui t'a content de faire encore comme ça? Bon, moi, content de faire qui film, qui t'en a un acteur préféré? Ben, film action. Film action? Moi, oui. Récemment, un film sexuel et fighter. Ritik Roshan. Oui. Oui. Bon, malheureusement, je ne suis pas encore guetté. Tu pas encore guetté. Il est déjà au cinéma, là. Mais dans la semaine, quand mon film était européen. Film européen aussi, oui. Mission Impossible. Un film comme ça. Non, mais beaucoup comme Netflix. Ok, tu as film beaucoup de films sur Netflix. Oui, oui. Ben Netflix original là. Oui. Nous, intéressant. Et mon content écoute santé. Oui. Qui ben santé, tu es content écouter. Est-ce qu'il te content santé, toi? Non. T'es pas trop. T'es un petit peu timide, mais t'es content écouter plus. Oui. Qui te content écouter? Ben slow, ben santé, la gamme, bon, c'est gars. Pour le moment, moi écoute ben santé, j'ai un accent de Levan. Ok. Intéressant.
Intéressant. Côté indien, moi, écoute Arijit Singh. Arijit Singh, papa. C'est un cosaque de ça, là. Bien bon, bien bon, bien bon. Mais tu bien suivre la musique, tu bien bien passionné pour la musique. Et dis-moi une affaire, Richard. Et comment te faire pour aussi, comment dire, happy dans la joie, tu es un petit monde positif. Comment te faire ça, mon garçon? Bon, dans tout le monde, il y a sadness. Mais Oui, mentalité importante. Oui. Waouh. Merci, 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 Richard. Tu es vraiment touche-moi. Qui, tu connais le fait qui m'a très ému, moi, je suis honnêtement, parce que chaque fois que je nous rappelle tout là, je suis très ému parce que DRF, c'est une famille. Il y a une famille. Et vous connaissez le handicap. Moi, j'ai envie de faire un point là, il est très important chez Internet parce que. Je peux trouver l'émission, on n'est pas une émission, comment dire, une taillée, une posée comme ça, comment dire, une natale costume. L'émission est dans l'émotion. Et dans l'émotion parce que ça émotion là, en plus, Asseline. Un second, toi, ouais. Olivier, moi, pour les histoires causées, il sortit depuis de profondeur, rien le fait que Richard dit qu'il est senti à l'aise avec moi, il est senti à l'aise avec près de vie, il fait marcher au cœur. Ça veut dire qu'il. Je suis capable de mon côté, réussi, très fier de ça. C'est un grand réussite pour moi. C'est un grand compliment que tu peux faire, moi, Richard. Je suis bien apprécié ça, Richard. Yes, Olivier. Si je me sens moins à l'aise, comment dire, je vais dans la mission, mais tu avais plus tard, je me sens moins à l'aise. Il y a là, Aïla. Avec ceci, je suis à l'aise, Aïla. Super, super. Voilà, nous trouvons Olivier aussi, il est très à l'aise. D'ailleurs, nous trouvons lui dans autre la voix, dans autre façon, je peux exprimer autre. Je peux donc une barrière et il y a des commentaires. Il y a Essen qui dit great, so talented, Olivier, keep it up. Donc, tu trouves ton gain fan encore. Et tu as aussi Daniel Biarri. Qui dit bon, Lina voye ben petit léquer pour ben petit garçon. Il dit merci, top, super, et merci Daniel pour appréciation. Donc, je pourrais remarquer, les temps peuvent passer vite, nous peut causer, nous peut dialoguer, nous pas pour dire qu'il nous loue un plateau, parce que pour moi, il est plus une conversation. Ce qui nous peut dérouler, chacun peut partager sur la vie, sur la passion. Il est vraiment extraordinaire et c'est un moment qui nous peut vivre là, chers amis. Et moi, personnellement, je veux dire que je suis bien content que Olivier, pour la première fois, m'a réussi à amener un plateau. Parce que l'émission lui servit pour promouvoir, comment dire, les voix et les droits des personnes en situation de handicap. Et aussi pour mettre en lumière, dis-moi, ce talent, ce capacité. Ça veut dire brise tout barrière qui tu es là, brise toute timidité qui tu es là. Donc, je peux adresser moi à tout le monde qui peut guetter l'émission, ben, internet. Portez à sa vidéo là pour qu'il nous touche maximum du monde. Si vous connaissez du monde qui est en situation de handicap, qui peut sentir tout seul, qui peut sentir, pas trop connaître qu'il est pour faire, faites-le prendre contact avec nous, avec DRF. Nous sommes capables d'amener lui là, nous sommes capables de faire Maurice découvrir lui. Si vous avez un handicap, si vous avez une difficulté, vous pouvez avoir une facilité, vous êtes capable de contacter DRF. Si vous avez envie de faire camarade, il y a Olivier, mais il y a Raoul, il y a Richard. Vous êtes capable de faire camarade sur Facebook. À nous ensemble, brise tout ben barrière, discrimination, stigmatisation, Asvin? Et nous vivons ensemble. Asvin? Oui, Olivier. Bon, faire un petit coucou à Guy Cernol, c'est pas le fait tellement la gonçon avec là. C'est là ça? Guy Cernol, c'est un petit centre. Oui. Un petit coucou, c'est pas Hollywood. Oui, oui. Bravo, Guérissia Lol, qui aussi nous besoin de dire qu'il y a une fierté nationale. Il y a un garçon qui est visuellement impérial, il y a un problème visuel. Pareil, comment on peut t'en dire? Béni santé depuis aussi. Beaucoup d'années dans moi l'association de Napritam, de Nacintia qui est dans une visual impairment qui sont très très bien. Donc
Richard, question qui aussi, moi, tu as envie de poser toi. Les temps peuvent passer assez vite, l'émission peut dérouler, les pieds à les mêmes. Quand tu as aujourd'hui dans Maurice, ben droit qui dit mon handicapé, non, ok, c'est pas pour travail. Qui te ce qui tu as envie sans et qui sans moi tu as envie de trouver de société pour qu'un dimoun avec un handicap les vive plus bien, les plus sentir mieux de société. Et comment moi habité à Maurice pendant qu'un renouable handicap? Oui. Bon, nous tendez global amont de trois ou pas qu'un reste. Ben, mais bon, comparé en Europe, mon récit est grave à un bel endroit. Oui. Pas en bougeant, au moins 35%. Oui. Plus en qu'est-ce qu'on travaille même? Oui. Ben, on ne capte pas qu'un travail vite. J'ai tout un gouvernement. Mm-hmm. Pas qu'un travail vite. Allez, nous trop tôt dans mon risque. Et c'est qu'on n'a pas beaucoup de gouvernements. Changer dans le métro express. Maurice, un voyage à 40. Mais c'est difficile. Oui, oui, oui. Oui. N'est pas même niveau avec. Oui, oui, la rampe. Station. Oui, 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 oui. N'est pas même niveau. Nous pensons que ça c'est prêt. Pas pour moi, pour nos bons camarades. Pour nos bons camarades. Wow, beaucoup bonnes propositions, bien faux, bien faux. Un second, un petit moment, Olivier, je vous donne la parole. Richard Bendia Benza fait bien important, si un internet, il est déjà un ambassadeur, nous capable de dire, pour les droits des personnes handicapées. Moi, vous êtes toi, bravo, Richard, bravo, pour cette bonne proposition-là. Il découle bien sûr de ce qui dit OFP proposé, c'est-à-dire venir de l'avant avec un disability bill. Mais Richard, il a la clarté pour trouver, comprendre qui a un problème au niveau de l'employabilité. Papier emploi, ben dit mon avec handicap. Il a la loi qui dit que tout le compagnie qui a 35 dit mon à monter, 3% dit mon, puis 5 dit mon handicapé, mais il n'est pas fait nécessaire vraiment. Et même dans le gouvernement, comme tu nous dis, il y a un transport public, puis il est inaccessible. Métro livré qui du monde capable d'entrer avec son wheelchair, mais nous pas trouve trop beaucoup aussi. Donc, bizarre accessibilité, ben bâtiment. Donc, bravo à toi pour tes réflexions. Et là, moi, tu proposes la même question à Olivier Mais qui, en termes de droit, tu as vu, moi, dire, toutes les stations, moi, dire, pour les enfants, moi, dire, ceux qui ont handicap, je papier bis, une PAD, moi, tu as vu, moi, dire, un changement de station. Moi, dire, je t'apprends. Quand tu as bis PAD. Oui, mais tu reviens de changement des stations. Ok. Des stations de police. Quand tu es à Buckingham, quand tu es à Rosil, quand tu es à Carbone, mais tu as envie d'être dans toutes les stations. Ça veut dire si un Jimouni peut perdre sur le code bis, pas sur le code métro, un ne peut pas un Jimouni qui a un handicap, et pour les voyages gratuits. Problème visuel aussi. Est-ce que, par exemple, disons que tu as la banque, tu as un problème? Oui, mais tu as envie de dire un Jimouni. Parce qu'ils ne m'ont pas connu ce que j'ai envie d'écrire pour moi. C'est moi qui ai envie. Donc voilà les autorités. L'appel est lancé. Une proposition très valable, c'est ce qu'Olivier me peut dire. Il y a plus de facilité pour, comment dire, pour caring, pour cater. Un dimoun qui a un handicap. Par exemple, si un dimoun a un problème visuel, il a l'air de la banque, un dimoun qui a rempli sur forme guide-li au moins, et même dans une station, etc. Mais est-ce qu'il me pose tous les deux la question? Par exemple, nous service l'hôpital. Vous êtes satisfait, Richard? Ça veut dire que l'hôpital ici a besoin de m'attendre pour changer les choses dans les documents de médecine pour faire les vignes. Pareil, ma carte d'identité. Les vignes pareilles, comment. Oui, pour avoir un changement. Pour avoir un changement là, avec la carte d'identité. Pour m'attendre pour intégrer la carte d'identité pour changer. Ok, ok. Richard, quand tu dis que tu suis tout le traitement sur la il passe bien, correct? Bon. Moi personnellement. Oui. Je ne suis pas content à l'hôpital. Tu n'es pas content à l'hôpital? Je suis sûr. Qui fait? Bon, maintenant, il vient, maintenant, propre. Oui, oui, oui. Ok, ok.
Moi, en pratique, monsieur, moi, il sera un animal. Mon content propre. Oui, oui. Pénalité. Mais, oui, je bon, ce que me demande le gouvernement, le procès, ça. Oui. Mais, ben, je me demande le gouvernement. On a un appel, ben, passant surtout, prendre ce même compte. Qu'est-ce que j'ai trouvé récemment? Oui. Mais des cliniques. Pendant une semaine du mal, passé dans la poubelle. Oui, 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 oui. C'était passant. Mais si nous-mêmes nous faisons des choses, nous pourrions des choses. Oui, normal. Ouais. Nous vous avons donné l'exemple, nous-mêmes. Ben, si nous pensons, oui, mon père, ou pour nettoyer, ou même ou pour nettoyer. Non, pas ça. Mm-hmm. Nous pouvons la main dans la main. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Donc, très, très important, ce qui te dit. Oui, oui, Olivier. Je vais me dire plus tard, je vais gagner un livre, je vais me dire que la capacité que j'ai été, je vais gagner un livre pour Ball Foundation. Capacité. Capacité, bien sûr. Et oui, il y a une publication qui fait au niveau de DRF. Nous disons qu'il y a un coup, dans une publication qui fait, mettant en lumière un djimoun avec handicap sur la vie, sur le parcours, etc. Donc, c'est très important. Une petite chose très importante qui, Richard Bendia, l'hygiène, l'hôpital, tout ça, vraiment, c'est très important. Et il est bon aussi qu'il nous donne un bon exemple. Et mon besoin de dire que Richard, quand nous guette lui, bien coiffé, tisesse, bien sérieux. Donc, un petit acte, des petits actes, alors, ça plateau là. Olivier, ouais. Vous trouvez une bien taille sur CV. Asvin, moi j'ai des affaires. Moi j'ai l'hôpital public là. Oui. Moi j'ai beau bassin, moi j'ai envie puis tant moi j'ai à pédia ça visite là-bas, mais moi j'ai envie l'hôpital en le moi j'ai ben j'ai mon handicap. Je t'ai envie moi j'ai un simé wheelchair avec moi j'ai tout envie accessible visite. Oui, ah, oui, oui. Non, très important, très important. Vous avez besoin de la rampe pour qu'il y ait l'accessibilité. Et nous avons besoin, comme dire, parce qu'il y a un petit monde avec un handicap et un wheelchair, il y a besoin qu'il peut traverser, qu'il peut aller partout. Et définitivement, nous espérons la loi qui peut venir, le Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities, il prend en compte le bill, un ébauche de ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Il y a par exemple l'introduction d'un National Disability Authority. Côté peut, comme on dit, mettre plusieurs ben, plateformes qui tiennent ensemble, le TED-PB, etc., Training and Employment of Disabled Persons Board. Il y a plein de travail qui peut faire, qui peut venir. Bon, nous espérons qu'il y a une amélioration. Tu as vu, comme on dit, qu'il y a un travail pour ceux qui ont fait un papier courant. Tu as vu, qu'il y a un travail. Un travail messenger, tu le dis. Messenger. Un travail messenger. Donc, les internautes, Olivier Pélance l'appelle, il compte faire un travail messenger, ben, peut-être, si jamais, qu'il faut être capable de gagner l'opportunité. Donc, Richard et Olivier, vous pensez qu'ils nous gagnent une bien jolie conversation, nous nous causons un petit peu chacun d'entre eux, notre handicap, notre la vie, notre parcours, la famille, la stigmatisation, ça veut dire, regard qui dit nous gagnons la discrimination, nous nous gagnons aussi un petit peu notre passion, un compte en football, l'autre compte en la musique, les compte en santé, mais Richard, il est content d'écouter, il est un petit peu plus timide le côté santé, mais c'est moi, il est content d'écouter bonne santé, tout type de santé. Nous finis. Oui. Ben moi tu as vu que moi j'ai mon gain et moi j'ai remonté la case mais tu as vu gagne ça remonté la case bloqué un peu sérieusement Pelé ok ok mon comportement oui Olivier lit en construction donc les sollicite ben l'aide comme dire et bien sûr les internautes pour prendre l'autre. Sinon, voilà un petit peu, chers internautes, nous capables de dire nous arrivons presque à la fin de l'émission et nous pousser boucler peut-être avec un dernier mot de la fin du décoté. Et je trouve un commentaire, encore beaucoup de commentaires, je trouve, ben, les réseaux sociaux. Très, très intéressant. Et nous checkons un coup. Et bien sûr, c'est Kiati Devi Ramchan qui dit bravo.
Donc bravo à vous-même qui a été dévi Ramchen. Merci madame ou mademoiselle, si vous pouvez suivre l'émission. Merci pour l'encouragement. Je pense que ça a déjà un kilo plateau là, et Richard et Olivier, je suis très encouragé par ce qu'ils me disent, et aussi beaucoup ben internet, ben commentaire qu'ils font, ben encouragement, ben appréciation, les films vraiment aidés. Donc voilà, et Richard et Olivier, et qu'ils ont pensé si nous terminons l'émission, avant qu'ils se disent un petit mot de la fin, un petit son peut-être qu'il faut encore, ouais, Olivier encore un, petit son. Un dernier petit son, après nous aller. Mon papa m'a tant bonné, j'en dis que dans Cocos Créole. Santé Créole. Santé Mauricien, danser Créole. Cousin Mauricien, mon pote mec, mon pote mec, mon pote dans Cocos Créole. Qui t'y baille là? Qui t'y baille là, madame, le vraiment baise ma cousine. Maman. Et une santé, tu peux santé, un bout, c'est qui ton. Un petit mot de ton en pain. Ouais, le côté de la route. Ça. Le la route. Non, un petit mot de ton en pain, qui est un autiste qui t'en apprend beaucoup, qui est décédé. Un petit mot de lui. Si pas sûr, madame, peut-être moi, fais un petit coucou à madame ton en pain. En plus, mon mari ton en pain, depuis mon. Mon enfant, je suis content, Liembe. Alors, si je suis là-haut, je fais une petite chose là-haut. Un petit coucou. Un petit coucou. Ton enfant, c'est un autiste qui est décédé. Et il est décédé à l'âge de 84 ans, un domaine circonstance un peu triste parce qu'il est pendant Covid. Et il est membre de l'association APDAS. Un autiste extraordinaire, un petit peu comme mon frère, comme Michel Legri, de sa trempe-là. Il hein, est en santé engagée. Avec ton seul. Nourrice vie. Ton pain, ton sozin. Comment appelez-vous mon sozin? Aïe là, comment appelez-vous ton nom? Mon sal sur la mort tout là. Ton pain. Allez, si tu. Non, j'appelle soz, j'appelle. Si tu rappelles, te dis à nous. Si tu rappelles, te dis à nous. Et n'a. Ton manque là d'entendre. Ok, ok. Top. Et n'a Damien Arekion qui nous laisse un message encore. Il dit Love it. I won't miss the next one. Bonne continuation. Merci à ou Damien Arekion pour fidélité, pour mot très positif et certainement restez à l'écoute d'IOF, bien sûr, nous pouvons venir avec ben, une nouvelle émission encore et nous espérons que nous pourrons pas vraiment ou pourquoi pas vraiment connecter avec ce qui nous peut faire. Merci tout bon internet pour votre commentaire. Allô Richard, qu'il te faut un dernier mot de la fin pour nous conclure l'émission. Bon. Nous comme un bon humain comme vous. Voilà. C'est de... Nous sommes humains comme vous. Wow, ouais, nous sommes humains comme vous, Asbin. Nous sommes gays comme vous. Il a gay comme dire, un jour gay et happy. Happy. Donc, je pourrais remarquer qu'avant même qu'il me mette l'emphase, là, nous sommes humains comme vous, pour une dernière fois pour me conclure l'émission. Ben Richard, des fois, dans une simple ligne, il finit déjà tout. Nous sommes humains comme vous. Guettez un monde qui a un handicap, peu importe son handicap. À nous guettez-le avec un regard comme un monde normal. C'est pas pitié, un monde qui a un handicap, il n'a pas besoin de pitié. Il a besoin de dignité. Et pour les besoins de dignité, il faut gagner à travers ce droit, à travers le respect, à travers la considération. Et il y a ERBSN qui dit thanks to GOF training, God bless all disabled people. Ok, donc merci beaucoup Essen et bien sûr bravo à GOF, à l'institution qui nous appelle Global Rainbow Foundation, professeur Mugompo se ramène, toute l'équipe, tout le staff Prix de vie, toute l'équipe qu'il a. Et là, je trouve dans Dia de studio, je trouve dans Rahul qui est au plateau la dernière fois. Félicitations pour lui, pour ça. Ce genre, félicitations. Pour le différent sketch. Avec Vedani. Oui, avec Vedani. Beaucoup de talent. Yes. Oui, donc voilà, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Et. Ok, nous avons commenté encore qui peut venir. Ah oui, bien sûr.
nous pas oublier nos chers camarades qui donnent beaucoup de main dans la réalisation de l'émission, c'est Dylan Kalichen, graphic designer, qui fait une jolie jolie poster. Et un bien bon garçon, moi j'ai l'occasion de collaborer avec lui, travailler avec lui. Avec moi, j'ai fait un petit coucou. Il fait un travail formidable, très à l'écoute et très innovant à chaque fois. Mon remarqué qu'il y met un, il essaie de mettre une petite touche originale et un poster très, parce qu'il fait plusieurs types de posters. Quand il fait un premier poster, nous sommes humains comme vous-même, il y a un petit peu exactement comment moi j'imagine lui. Un détail qui moi envie de trouver nous là. Donc, il y a une connexion dans Global Rainbow Foundation. Donc voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Richard Boudan pour ta participation, pour tout ce qui te fait partager avec nous. Merci Olivier et Michael Desroches. Je présente aussi le Rastatan. Il donne nous sur l'adresse. Je ne peux pas nous poser sur la question. Quel endroit tu habites? Je m'habite à Trompis contre. Ok, tu habites à Triolé. Bien, bon, bien. Moi, je suis joueur de football à l'équipe Jean-Yves Bambin avec l'équipe Peacock. Voilà, tenez un adversaire de taille, Richard. L'émission est tellement, moi, je vais vous dire, franc, est tellement passionnant qu'il ne m'a pas envie même de terminer. Mais bien sûr, nous pouvons terminer à un moment donné. Qu'il faut nous gagner l'occasion de nous faire l'autre émission avec même Dimou, nous sommes capables de mettre un plateau. Bon, tu. Bandité. Oui. Bandité. Il arrive les bandités. Donc merci Prédvi Bissessor à qui a sur la technique, qui fait un travail formidable. Merci plutôt pour patience. Merci Dia et aussi Raoul qui fait assistant technique, qui donne un coup de main, qui encourage nous. Merci tout ben internaute pour ce ben mot doux, pour ce ben encouragement, ce ben positivité et pas oublier chier sa vidéo là et continuer à l'écoute de ben nouvelle émission. Fais un petit coucou à Sipetanoi. Oui. Monsieur Samuel David. Ramon Saban avec Monsieur Ninette, c'est qui? Comment il parlait? Avec Prinvi. Avec Prinvi. Voilà. Merci. Olivier May. Olivier Michael Desroches. Parce que moi, je suis Google Foundation ici à Petit. Merci Richard Boudon. Merci toute l'équipe. Merci les internautes. À bientôt pour une nouvelle émission de Pas oublier. À nous d'aller ensemble. Nous sommes humains comme vous. Nous sommes humains comme vous. Bye bye. Merci.